Eh bien, toi, tu vas écouter Mozart pour essayer de savoir pourquoi, comme lui, tu pourrais être immortel. Dès que j'écoute Mozart, je reprends pied dans un ciel, hein, qui n'en finit pas, et j'oublie absolument tout ce qui est terrestre. Je m'envole avec lui. Et je suis, oh, c'est extraordinaire. Oh, vous allez dire que je délire, mais j'ai l'impression, mais oui, j'ai l'impression d'être immortel. Mozart est très souvent consolateur. On distingue parfois ce qui est mineur de ce qui est majeur. Sachez que le plus souvent, on considère que le mineur, eh bien, nous suggère quelque chose de triste, nous suggère quelque chose de douloureux, et que le majeur, au contraire, nous suggère quelque chose comme la joie, comme un certain bonheur. Et pourtant, chez Mozart, on a cette chose très étonnante que très souvent, le majeur va nous arracher des larmes, mais ce sera des larmes qui seront quand même des larmes consolatrices. Et de temps en temps, le mineur a quelque chose, lui aussi, de très réconfortant, de très consolateur. C'est une espèce de je ne sais quoi, très étonnant, très paradoxal, qui fait que même quand on a l'impression qu'il nous raconte des choses tristes, il le fait avec une telle douceur que ces choses nous pénètrent l'âme et nous rendent heureux d'une certaine façon. J'ai envie de renverser votre question. Si vous voulez vraiment écouter Mozart, il faut que vous vous arrangiez absolument pour vivre mieux. Vous me direz que c'est impossible, que tout le monde vit mal aujourd'hui, que la colère est très grande. Eh bien, faites un décalage et mettez-vous dans la peau d'un aventurier qui veut vivre mieux. Vivre mieux, c'est-à-dire de façon plus intime, la réalité. Plus intime, c'est-à-dire que vous écoutez Mozart. Vous faites abstraction de tout ce que vous pouvez entendre comme rock, comme pop, comme bruit, comme actualité, comme chanson, comme slogan. Oh là 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 là, oh là là, que de bruit, ça vous vieillit. Rajeunissez d'un seul coup, soyez jeune, comme Mozart reste jeune, éteignez tout. Et écoutez un splendide quintette de Mozart, ou alors la flûte enchantée, cette merveille qui va vous faire vous sentir immédiatement mieux dans un espace de liberté, comme Don Juan lui-même qui crie, oh le révolutionnaire, viva la libertà, vive la liberté. En ce moment, je voudrais qu'il y ait de grandes manifestations partout, non plus sur le pouvoir d'achat, mais pour la liberté. La liberté n'a pas de prix. Et vous me direz qu'en effet, quand le frigo est vide, la liberté n'est qu'un mot. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et remplissez-vous de cette nourriture formidable qu'est Mozart, et vous irez mieux immédiatement, je vous le garantis.